c'est parti, let's go! C'est parti pour le live d'aujourd'hui. Le stream commence dans 52 secondes si vous regardez la rediffusion, même pas. Je vous invite à mettre votre plus joli pouce bleu, vous abonner avec la cloche de notification, mettre le code Choco dans la boutique si vous voulez nous soutenir. À partir de 30 secondes, tout le monde fait le compte à rebours dans le chat, ok? Il ne reste plus que 8 secondes et tout le monde fait le compte à rebours! Même pas 2 secondes, j'espère en tout cas que vous allez bien, que tout se passe bien. C'est parti, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Allez, que tout le monde fasse le compte à rebours. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on balance quoi dans le chat? On balance quoi dans les commentaires? On balance la pub! Avant que la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chocoline Vanilla, activer la petite cloche des notifications, lâcher le pouce bleu, et bien sûr à mettre son code créateur CHOCO dans la boutique de Fortnite, C-H-O-C-O-H. Merci. Oui, j'espère que vous avez tous fait ce que la petite pub a dit, comme d'habitude. Merci à vous, parce que la pub ne l'a pas dit. Est-ce que vous êtes chaud là pour le live d'aujourd'hui? Voir un maximum de flammes si vous êtes chaud. Ah ouais, je vois qu'il y a tout le monde qui a dit la pub. Un max de flammes aujourd'hui pour ce live. Alors déjà, je sais pas du tout où est Lexa. Lexa, qu'est-ce que t'étais en train de faire là-haut, Lexa? Oui, maman? Tu m'expliques ce que t'es en train de faire là sur l'ordinateur? Oh. Ben, je regarde Oh là là. Oui, c'est ça. Arrête de trop rester sur les écrans dès le matin déjà. J'ai un petit souci, Lexa. Tu sais très bien qu'en ce moment, c'est assez difficile là. On n'a pas assez d'argent. Donc, si t'as une petite idée de ce que je pourrais faire, enfin, parce que là, ça devient critique, ça devient très critique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme métier? On a tout testé. On a fait football. On a fait quoi d'autre? On a fait maîtresse, animatrice. On a fait tous les métiers qui peuvent exister, même à la discothèque. Mais ça a pas fonctionné. Est-ce que vous avez des idées là dans le chat là de métiers que je vais pouvoir faire? Ça a plu. T'as une idée, Lexa, t'as dit? Oui, tu deviens médecin. Médecin? En plus, j'ai mis les ailes de fée soignantes, regarde. Non mais médecin, c'est très difficile, hein. C'est un métier qui sera hyper difficile, mais j'ai jamais vu. T'es sûre? Oui, comme ça tu rencontres un médecin riche et on a une villa. Ça va. Lexa, oh, c'est quoi cet esprit de michetonneuse? Oh, Lexa, c'est quoi ça? Bon, il y a tout le monde qui est en train de me dire, ouais, médecin, vétérinaire, médecin. Bah, je sais pas trop, tu veux qu'on aille dès maintenant essayer de voir? Mais attends, avant, il y a des gens, ils ont toujours pas mis le pouce bleu. Oh, c'est trop gentil. Mais Yota qui vient d'envoyer 5 euros sur le live. On fait quoi pour Yota? On fait une émote. C'est trop... Oh, non! Lexa qui fait une émote, c'est rare. Hein. C'est plutôt rare de voir Lexa faire une émote comme ça. Elle est trop mignonne, ton émote. Bah, merci beaucoup pour ton soutien, Max de GG. Et je veux voir tout le monde mettre un pouce bleu. Allez, vas-y, viens, on y va, Alexa. Ramène ton choco. La voix de Google a changé, ça fait trop bizarre. Alors, c'est parti. Tu viens? On n'a plus beaucoup d'essence, du coup, on va aller à pied, je pense. C'est mieux, puis ça va nous faire une petite balade. En attendant, de toute façon, qu'on arrive aux 1000 pouces bleus. De toute façon, moi, je dis ça, je dis rien, mais si on n'a pas les 1000 pouces bleus, moi, je ne rentrerai pas... chez le médecin. Mais attends, c'est Christine qui travaille là-bas à cette heure-ci, non? La babysitter, oui. Elle travaille aussi là-bas pendant son temps libre, il me semble. J'ai trop peur que tu te fasses kidnapper maintenant, donc je préfère que tu avances devant et que moi je te suive par derrière, parce que sinon, je vais me retourner, je vais plus la retrouver. Ça suffit. On l'a kidnappée une fois, on va pas me kidnapper une deuxième fois. Pompier, s'il te plaît. Bah, en vrai, si aujourd'hui, médecin, ça, j'arrive pas. Mais avance, Lexa. Si aujourd'hui, médecin, j'arrive pas, bah, en vrai, j'essaierai peut-être pompier, mais je pense que ça le fera normalement. Merci aux personnes qui s'abonnent et qui mettent les pouces bleus, ça fait grave plaisir. Allez, mettez tous un petit pouce bleu sur le live. Alors, on a dit qu'on va essayer d'aller voir chez le médecin. Mais est-ce que vous pensez que. Est-ce que, Lexa, toi, tu penses que je vais bien faire? Est-ce que tu me vois en tant que médecin? Oui. Tu me vois vraiment? Bonjour, bienvenue, installez-vous. Contre la voix, non, ça, faut pas faire. Mais tu veux que je prenne quelle voix alors? Bonjour, Lexa. Non, t'inquiète, n'aie pas peur. Viens, je pense que je vais aller me changer avant. Parce que là, j'avoue que d'aller dans cette tenue-là, je pense que ça va pas le faire. Tu me suis, Lexa?
Allez, bouge ton choco. Oh, je vais essayer de me changer d'abord avant de. J'avais complètement oublié, mais il faut d'abord que je me change. Si je me change pas et que j'y vais là comme ça avec ce skin-là, c'est vrai que je pense qu'elle va pas. Elle va pas être tip top. Enfin, c'est pas tip top. Oh, c'est trop gentil, merci beaucoup. Meiota, encore pour tes 5 euros. Lexa! Lexa? Elle est passée où? Mais Lexa, mais dépêche-toi, j'ai eu peur, j'ai cru que tu t'es fait encore kidnapper! Maman, t'aurais pu changer sur place, hein, de tenue. Mais viens, viens ici, il y a un endroit pour se changer. Je veux que tu fasses une émote pour Mayota. Une émote. Elle vient d'envoyer 5 euros. Oh non! Elle est trop mignonne, une émote. Bon, allez, moi je vais me changer, hein, parce que si on l'attend, elle, je vais jamais pouvoir me changer. Il faut que je me change en tant que un skin qui fait penser. Un skin qui fait penser à un médecin. Donc, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Dites-moi dans le chat un skin qui fait penser au médecin, vous trouvez lequel? Parce que si je change mon skin de style, là, style opaline, sinon si je change le style d'opaline, je sais pas trop quoi mettre. Le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième. Si je mets le deuxième, ça fait vraiment penser à en dire je suis méchante. Je vais être une méchante médecine, méchante médecin. Ouais, bref, vous avez capté, arrêtez de jouer sur les mots. Donc si je mets ça va faire comme si j'étais méchante. Si je mets celui-ci, c'est comme si en fait j'étais moi de d'habitude. Si je mets celui-ci, on dirait que je vais faire la teuf alors que les gens sont malades. Donc je sais pas trop. Je mets quoi? Non, mais pas Opaline. Alors en gros, je réexplique. Je vais essayer de devenir médecin. Encore rien à jouer. Je dois aller voir la personne qui s'occupe des recrutements et je vais lui demander si je peux devenir médecin. Mais le truc, c'est qu'il faut que je fasse bonne impression, vous voyez, et que j'ai un bon skin. Si j'ai pas un bon skin et que je fais pas bien une bonne impression, et bah je vais pas pouvoir devenir médecin. Je sais pas là si vous avez tous compris, mais donc il faut votre aide. Il me faut votre aide. Là, il y a plus rien à comprendre, Marlène. Je t'ai tout expliqué. Je mets lequel alors? Pas Opaline, mais le 3. Celui-ci? Mais on dirait que je vais faire la fête alors qu'ils sont malades. Vous êtes sûr, je mets celui-ci. Vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr et certain. Merci beaucoup pour les 700 pouces bleus, là, bientôt. Vous êtes sûr. Le 3, le 3, le 3. Donc, je répète, le premier pour devenir médecin, deuxième, troisième, quatrième. Il y en a plein qui sont en train de dire 3. 3, 3, 3, 3. Êtes-vous sûr de cela? Oui, non. Il y a quand même deux noms. Hein. Il y a que des oui, mais il y a deux noms. Ok, bah je pense à partir sur ce skin-là. En espérant. Non, pas celui-ci. Celui-ci, le troisième. En espérant qu'elle va pas me recaler et que le skin sera vraiment sympatoche. Enfin, j'espère vraiment. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que là, vous m'emmenez pas vers le refus. J'ai envie quand même d'avoir ce métier. En plus, médecin, c'est trop bien, c'est trop bien de devenir médecin. Allez, maintenant, on continue avec le sac à dos. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre comme sac à dos? Un sac à dos qui fait penser au médecin. J'ai pas trop d'idées. Merci aux personnes qui s'abonnent à la chaîne YouTube. Vous apparaissez sur l'écran là, je sais pas si vous voyez, juste à côté de mon skin, Jomasto. Merci beaucoup pour ton abonnement, Jomasto. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre comme sac à dos? Vous me dites stop quand vous voyez un sac à dos qui vous plaît. Moi, j'essaie de regarder aussi de mon côté un sac à dos qui fait penser. Oh, celui-ci, ça fait penser. Non, mais c'est immonde, ça va pas du tout avec mon skin. Mais ça fait penser un petit peu au dortoir. Mais ça n'a rien à voir avec l'hôpital. Hôpital, donc médecin. Quelque chose qui fait penser au médecin. J'essaie de voir quelque chose. Vous me dites stop. J'ai l'impression d'avoir pas grand-chose en termes de médecin. Sinon, j'ai beaucoup de sac à dos, mais qui fait penser à un médecin. Je sais pas trop. Merci Julie pour ton abonnement. Merci, c'est trop sympa. Je sais pas trop. Vous me conseillez de mettre quoi alors? Non, non, stop, mets l'ordinateur. Vous voulez que je mette l'ordinateur? Celui-ci? Cet ordinateur-là? Non, 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 stop! Stop! Quoi? Pourquoi vous me dites stop? Ok, je me stoppe. Parce qu'il y a un temps de décalage. Je trouve que je stoppe, mais après 30 secondes que tout le monde me dit stop. Ça? Mais la fille. Mais la faille. La fille. Mais quoi? Je suis perdue. Faut que ça fasse penser à un médecin, hein, d'accord? Donc je répète, en gros, je veux devenir médecin, mais il faut que j'ai un skin qui fait penser au médecin, sinon je vais pas pouvoir. Non, stop. Non, non, stop. Je sais pas, là j'essaie de faire en sorte d'écouter ce que vous me dites, mais je suis perdue. Il y a des non, il y a des oui. Le sac de rubis.
Mais c'est quoi le sac de rubis? Rubis. Je sais pas trop là. J'essaie de comprendre ce que vous dites, mais. mais j'arrive pas. Merci beaucoup, Meyota, encore pour ta donation et pour tes 5 euros. J'aimerais bien te faire une émote, mais là, je peux pas te faire vu que je suis dans mon casier, mais c'est trop sympa. Bah, si tu veux m'envoyer ton pseudo Epic Game pour que je t'ajoute un ami, Meyota, bah, n'hésite vraiment pas. Je demanderai à Alexa de te faire une petite émote. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi là, mets le skin bandage. Mais c'est... Attendez, attendez. Là, on est sur le sac à dos. Le skin a déjà été fait. On est sur le sac à dos. Je vais essayer de voir ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il pourrait. Ce sac à dos là? C'est immonde. Ça va pas avec. Ça va pas avec. C'est un sac rouge. Ah si, en fait, si, ça va. Quoique, si, ça peut passer. Parce que. Pourquoi il y a un couteau? On va pas s'en sortir. Ce sac à dos là, en vrai, je pense que c'est mieux. C'est un cadeau là, je crois que c'est bon là. Là, je pense qu'il y a quelque. Enfin, non, je crois qu'on ne tient rien du tout, je crois que c'est immonde, mais. Au pire, on y va comme ça. Hein. C'est bon, on va pas se prendre la tête. Ou bien même celui-ci. Mais je crois que ça fait trop enfantin ça. Au pire, c'est pas grave. Comme ça, s'il y a des enfants qui j'ai besoin de soigner, bah, je leur donne le goûter de gros UX. Ouais. Pour la pioche, de toute façon, on voit pas mes pioches. Donc, je pense que c'est ok. Une note là sur 20 pour ce choix. En fait, je crois que c'est, ça va pas être possible. Hein. Je pense qu'elle va me recaler. Enfin, j'espère pas. Mais. Oh, elle est. Lexa? Mais Lexa, où es-tu? Elle est passée où? Lexa! Lexa! Mais tu te moques de moi? Eh, t'arrêtes! T'arrêtes de te cacher comme ça, tu m'as fait une frayeur encore. Il y a eu une donation, il y a eu Meyota qui a envoyé 5 euros. On fait quoi pour Meyota? Une! Émote! Oh, elle est trop mignonne ton émote. Bon, tu viens, on y va. Est-ce que t'as. Prochain, je lui fais la meilleure émote. Mais ça va pas, Alexa. Oh, arrête, j'en ai mis une. J'ai une question, Alexa. J'ai une petite question. Oui. Est-ce que tu pourrais arrêter de te dandiner? Parce que je te vois te dandiner, j'arrive pas. Tu penses que là, mon skin, ça va le faire? Mon skin. Oui, mais j'aime pas trop le sac à dos, ça va pas avec ta tenue. Ça va pas? Tu penses qu'on va me recaler ou pas? Il y a tout le monde qui est en train de me dire 0 sur 20 dans le chat. Mais. Non! Combien tu mets toi, Alexa? Tu mets combien? Sois gentille. Combien? 15! Ah, j'avoue que c'est pas mal. Bah, allez, viens, on y va. Tu viens? Hop, 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 hop. J'espère que dans tous les cas, elle va pas me recaler. Elle est gentille, Christine, en règle générale. Là, Alexa, c'est vrai qu'elle marche un petit peu doucement. Oh, oh, allez, allez. Oh, il y a Clara qui vient d'envoyer 5 euros. Salut Choco, hier soir, je me suis sponsor. Je vois tous les sponsors. J'ai regardé en plus hier dans les paramètres. Merci beaucoup, Clara. Le truc, c'est que je peux pas vous envoyer des messages privés, c'est via YouTube. Donc, merci beaucoup. On fait quoi, Alexa? On fait quoi? Une émote. La meilleure des émotes. On est dit la meilleure des émotes. Oh non, tu mets Wanda. Ça se fait pas. Moi, j'ai pas Wanda, je crois. Oh my god, elle a fait Wanda. Quand elle fait Wanda, c'est... J'aime trop maintenant les modes Wanda. Qu'est-ce que je vais pouvoir te faire comme émote? Oui, celle-ci. Money, money, money. Je suis en train d'enlever mais tout mon argent. Mais c'est quoi cette émote? C'est une belle émote. Mais oui, Wanda. Mais c'est la seule que j'avais. C'est bon, sous mes yeux. Ah, celle-ci, c'est bon. Celle-ci, après, on va voir le médecin. C'est bon comme ça? Elle est bien, celle-ci. Elle est bien, Lexa. Dans ses étoiles. Merci beaucoup pour ton abonnement à Nice. Vous êtes trop gentil. Il y en a plein qui apparaissent à l'écran. Ce sont toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Lexa, t'es prête? Donc, faut. Non, mais attends. Faut que tu fasses bonne impression, ok? Là, on va aller à l'hôpital. Donc, il faut pas crier. Il faut pas rigoler fort. Il faut rester vraiment sérieux. Si on n'est pas sérieuse, on va nous recaler. Surtout qu'il y a des personnes qui vont pas bien. Donc, il faut pas faire de bruit parce qu'il y a des personnes, il y a peut-être des personnes qui sont en train de se reposer et tout. Ok? Merci beaucoup, Randy, pour ton abonnement. T'es prête? T'es prête? Maman, on peut faire une émote avant. Pourquoi tu veux faire encore une émote? Parce que j'ai envie de danser. Bon, vas-y, tu fais cette émote-là, mais après, tu danses plus. D'accord? Vas-y. Vas-y, okay. Fais une. Moi aussi, je fais une émote. T'es prête? Attends, non, ils ont pas mis. Il y a pas eu les 1000 pouces bleus. Mettez tous un pouce bleu avant qu'on y aille. Vite. Allez, t'es bientôt prête, là? 5, 4, 3, 2, 1... Non, il n'y a toujours pas eu les 1000 pouces bleus. Ils n'ont pas mis les 1000 pouces... Oh, c'est bon, il y a les 1000 pouces bleus. Allez, on y va. Attends, maman, j'ai pas mis le code choco. Mais quoi? Ils ont oublié de mettre le code choco. Bon, c'est pas grave s'ils ont oublié de mettre le code choco. Quand ils se connecteront, ils le mettront. Viens. Bonjour.
Bonjour. Oh, Christine, c'est vous qui vous occupez de l'hôpital aujourd'hui? Oui, mais je crois que vous avez oublié, je suis la gérante de l'hôpital. Oui, mais enfin, je savais pas que c'était aujourd'hui, enfin les mêmes horaires, etc. Nexa est blessée? Non, non, Lexa va bien. J'ai une petite requête à Ça vous va. demander aujourd'hui. Je sais pas si vous allez pouvoir accepter. Je me suis même mis en tenue exprès pour. J'aimerais savoir. Enfin, je sais pas si j'ai le droit de parler un peu plus fort ou pas. Je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui se reposent. Non, non, aujourd'hui on n'a personne, ça va. Ok, en fait, j'aimerais bien devenir médecin. Enfin, c'est bizarre dit comme ça, mais j'aimerais bien essayer de faire un test s'il faut pour devenir médecin, parce que j'aime beaucoup soigner les gens, j'aime beaucoup aider les gens, et j'aimerais savoir si c'est possible, surtout que vous savez que les temps sont durs en ce moment dans la ville. Madame Choco, si c'est Oui. une blague, c'est pas drôle, hein. Quoi? Bah non, c'est pas une blague. Comment ça? Pourquoi? Ça va pas être possible, Madame Choco, malheureusement. Mais pourquoi? Mais quoi? Bah, je sais pas. Je vous apprécie beaucoup, mais vous, en tant qu'infirmière, Mais faut ça. prendre au sérieux le métier, Mais je me quoi. suis même mis en. Bah oui, bah je me prends tout au sérieux. Regardez mon skin, je me suis même changée. Mais Lexa, ça sait pas ce qu'elle dit. On est d'accord que mon skin il est bien. Oui, il est trop beau. Mais Ça maman. fait pas assez médecin, hein. Mais ça se fait pas. Bah et pourquoi? Et enfin moi j'aimerais savoir pourquoi vous me dites non. Bah, je sais pas si je peux. Si les. Je sais pas comment expliquer, mais je sais pas si je peux vous faire confiance pour ce métier, parce que c'est pas un métier à prendre à la légère, Madame Floco. S'il vous plaît, dans le titre, dites-lui que je suis une bonne. Enfin, je ferai un bon médecin. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Enfin, c'est peut-être ma tenue qui fait pas assez professionnelle. Si vous voulez, je peux me changer encore. C'est pas un souci. On va voir, oui, essayez de vous changer. Bon, bah, Alexa. Mais si je viens changer avec un bon changement, vous me laissez, vous m'accordez Moi le. aussi, je vais me changer. Vas-y, Oui. viens. On va se changer, on arrive. Mais cette fois-ci, ce sera ok. Mais c'est une blague. Mais c'est une Ah blague. non, mais il y a eu un temps, on n'a pas fait des maths. Ah oui. Allez, on fait une émote. Merci beaucoup, Mayota. C'est trop gentil. Merci pour ton soutien. Là, c'est l'émote. C'est bon, on va dire que c'est une très jolie émote. Non, mais attends, on fait une émote, mais c'est juste pour toi, Mayota. Hein, parce que là, je suis pas contente du tout de ce qu'elle vient de faire. Elle est sérieuse, Christine. Elle nous a recalé. Est-ce que tu te rends compte qu'elle vient de nous recaler? Eh oh! Oui. Eh oh! Non, Eh mais. oh! On vient de se faire recaler juste parce que notre tenue n'était pas assez. Alors qu'on a pris 20 minutes sur notre tenue. Merci encore, Mayota, qui vient d'envoyer encore 5 euros. Tu peux m'ajouter un ami, s'il te plaît? Oui! Je t'ai ajouté tout de suite un ami, comme ça, c'est fait. C'est Joanne. Merci beaucoup. Oh, elle est trop belle ton émote. Ah, je crois que t'acceptes pas les demandes d'amis. Qu'est-ce que tu fais là, Alex? Attends, mais j'ai pas que t'as droit à faire une chanson. Non, Alex, allez. Pas pour mes oreilles. N'oublie pas de mettre le code Non, Alexa, Choco. arrête immédiatement. J'ai pas envie à Shamsnasu que tu chantes. Parce que là, mes oreilles. Non, rien, oui, c'est le geste qui compte, comme on dit. Pour dire, c'est le geste qui compte, hein. Non, mais arrête, en vrai, je veux devenir médecin, on me recale parce que mon skin ne fait pas assez médecin. Bah là, les abonnés, trouvons un skin qui fait plus médecin, ce qui paraît, c'est pas assez médecin. Alors, essayons de trouver un skin médecin. Bah, je sais pas, moi. Mayota comptera à donner 5 euros Et et rejoins rejoint la la team team Choco. Choco. Qu'est-ce que je pourrais remettre? Vous me dites le nom du skin, si vous voyez qu'il y a un skin qui pourrait être bien pour devenir médecin. Celui-ci, bah non, celui-ci ça fait plus un télo. M'en dirais pas moi, il n'y a pas de skin opaline version, version médecin, donc bon. Donc soit il y a celui-ci, ou soit il y a opaline. Tapez 1 si vous préférez que je mette celui-ci. Tapez 2 si vous préférez que je mette le 2 et donc opaline. Je répète, le 1 pour elle, ou bien le 2 pour. Elle est passée où encore? Où est-elle passée cette opaline? Ou bien pour opaline. Merci beaucoup pour cette donation, Harry, pour tes 5,49 € quand je vais sortir là. Elle va te faire une musique, Laïssa, j'en suis sûre. Elle va te faire une musique. Merci encore pour ton soutien. Je mets lequel du coup? Le 1 sans doute. Ok, vous voulez vraiment que je mette le 1, mais. Un télo, vous voulez que je mette un télo? Un télo! Mais Panacée, c'est qui Panacée? Je l'ai pas, je suis désolée. Ok, je la mets elle alors. Je mets un télo. C'est qui Isabelle? Isa. Ah, je sais c'est qui c'est elle, Isabelle. Oh, non! Oups, j'ai rien mis.
Bah attendez, je vais essayer de trouver. Elle s'appelle comment? Je l'ai perdue de vue, celle que j'avais devant les yeux. Oh, bon, on va essayer de la retrouver, on va la retrouver. On va la retrouver. J'ai oublié son nom, je viens de la perdre dans mon casier. Je viens de la perdre dans mon casier. C'est une blague, ça m'arrive. Ça n'arrive qu'à moi. Vraiment. Ah, elle est là, c'est bon. C'était un télo. Ok, on sauvegarde le sac à dos. Là, il faut que je mette quelque chose qui fasse un peu plus professionnel. Un sac à dos. Bah celui-ci, franchement, je trouve que ça va. Franchement, celui-ci, avec le rose de là, là, les petites lunettes qui font vraiment sérieux, la petite coupe de cheveux, même vu que ouais, c'est vrai que c'est quand même un métier où on a besoin d'avoir le visage dégagé. Là, je suis désolée, mais là, si elle me prend pas, c'est qu'il y a un souci. J'ai même une petite rose au cas où, si elle veut pas, bah, je fais quand même en sorte de lui donner la rose. Comme ça, hop, elle va vouloir. Ça vous va là? En vrai, dites-moi que c'est pas bon. Dites-moi que c'est pas un bon combo. Je m'énerve. Franchement, hein, je trouve que c'est un très très joli combo. Merci beaucoup pour tous vos pouces bleus, ça fait plaisir. C'est bon? On prend ça ou pas? Vous me dites oui ou vous me dites non si vous voulez pas. Mais là, moi, je pense que c'est magnifique. Sauvegarder. C'est simplement dommage que ce soit pas opaline. Mais là, alors là, on est bien, comme dirait Inox. Allez, moi, je retourne de mon casier. Lexa! Regarde! Qu'est-ce que t'as en train de faire, Lexa? Lexa. Je voulais chanter. Tu voulais chanter pour Harry. Parce qu'Harry a envoyé 5h49. Tu veux faire une chanson? Faites attention les abonnés. Fermez vos oreilles, vas-y, tu peux chanter. Hé, t'es méchant, chante. Oui, oui, chante, chante. Merci Harry. Mettre le code choco. Allez s'abonner à la chaîne secondaire. Les motos, mettez le lien, s'il vous plaît. C'est ça ta musique, Lexa? Ouais! Mettez des emojis qui applaudissent, sinon elle va me piquer une crise. Ouais! C'est bien, bravo Lexa, j'aime beaucoup ta musique. Allez, viens. T'aimes bien mon skin ou pas là? Là, en vrai, dis-moi que je suis pas trop jolie. Non, on dirait pas que c'est toi, maman. Je sais, on dirait pas que c'est moi, mais elle est méchante, elle veut que je change de skin. Je suis obligée de changer. On dirait vraiment pas moi. J'ai l'impression d'être. J'ai même pas de prénom qui me vient en tête là, j'ai plus d'inspi. Ça m'attriste. J'aurais voulu remettre mon skin opaline. Regardez-moi ça. On dirait que c'est pas moi. Une note sur 20, tu mets combien là pour mon skin? Tout le monde t'applaudit. Hein. Une note sur 20, tu mets combien? Ouais. Zéro, parce que t'es moche comme quoi? T'as dit quoi, Alexa? Reviens parler, Alexa, ça va pas? Zéro? S'il te plaît, l'effort quand même. L'effort fourni, tu mets combien? Juste pour l'effort, on va dire. Ben, un point alors. Un point, bon, c'est déjà ça, hein. C'est déjà ça. Allez, tu Maman, aussi, je me suis changée ta vie. Ah ouais, t'as mis les... Oh, c'est trop joli, toi. Toi, t'es vraiment trop mimi. Toute rose. Nous revoici, Madame Christine. On s'est changé. Ah. Dites-moi là que c'est pas trop joli, je m'énerve. Hein. Ah non, c'est parfait. Bah merci. Bah donc, c'est possible pour nous de devenir donc... Oui, du moins ouais. Pourquoi ça? Pour Lexa, c'est pas possible. Bah, elle est encore petite quand même, Lexa est jeune. Bah, au pire, elle peut faire un stage. Elle a que 4 ans, mais elle peut faire un stage, vous voyez? D'accord, elle peut nous accompagner. Regarde, on met les ailes de fée exprès. Oh, pipi, vous pouvez pas lui dire non. Vous pouvez pas lui refuser l'accès. Donc, ça vous va? D'accord, tu nous accompagneras, Lexa. Ce sera notre acolyte. Donc, on a le droit. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez me faire un petit room tour? Enfin, une petite visite des lieux? Allez, venez. D'accord. Alors ici, on a les chambres des patients. Ah, je me souviens, c'était là où j'étais allée à l'hôpital. Oh my god. Oui. Ok. Ici, c'est là, d'autres chambres. On a plusieurs chambres. Ici, on a le soin. Comment dire? Le soin privilégié aux patients qui ont de gros cas. D'accord. Donc, voilà. Et puis... après, voilà. Et après... Ça va, il n'y a pas beaucoup. Il y a la salle d'attente, etc. La salle d'attente, ça c'est quoi? C'est la salle d'équipe? Est-ce que je peux rentrer? Maintenant, vu que je suis partie de l'équipe. Je crois qu'elle est fermée, la salle. Bah, je crois qu'elle est. Ah, d'accord. Ok, bon, bah attends. C'est si on est accepté, on pourra voir ce qu'il y a à l'intérieur? Exact. Ouais. Alors, maintenant, on doit faire quoi là? Votre métier, en fait, ça consiste à quoi? À part de soigner? On attend des patients, on reste ici sagement et on attend jusqu'à que les patients arrivent. Dès que les patients arrivent, on va les inspecter. Du coup, on va les mettre dans une salle de
une salle de patients et on va les inspecter, etc., pour savoir ce qu'ils ont. D'accord. Et après, on essaye de les guérir avec comme on peut. Hein. Voilà. Juste, j'aimerais bien, du coup, vu qu'on est en train d'attendre, est-ce que s'il vous plaît, je peux remettre Ropaline, je vous en supplie. Ce skin-là, je si vous voulez, je garde juste le sac à dos, mais ce skin-là, j'arrive pas à m'y faire, s'il vous plaît. Vous avez... S'il vous plaît, Lexa, bon, fais-lui une émoite, elle va dire oui comme ça. Ah, vous avez dit oui? Non, mais pas ça, Lexa. Une émoite gentille. Une émoite. Voilà, c'est bon, merci. Lexa, reste avec Christine, je vais me changer vite fait. Je me fais le palais si vous voulez. Elle est trop gentille, Lexa. Bon, allez, moi je vais aller me changer vite fait. Parce que je vous promets, ce skin-là, j'arrive pas à m'y faire. Je l'aime bien et tout, mais on est d'accord que. On préfère Opaline. On est d'accord que tout le monde préfère Opaline. J'ai vu le skin pomme. Comment ça, vous avez vu le skin pomme encore? Comment ça, vous avez vu Monsieur Pomme passer? Non. Là, si Monsieur Pomme vient, en tout cas, je vous le dis, moi, je vais pas le soigner. Alors, Opaline, on va mettre version rose. Oui! On va mettre Opaline comme ça. Et là, si là, je suis pas trop jojo. Clara si là... Galdo a donné 5 oh euros et rejoint la team Choco. Mais merci. Salut, beaucoup, Clara. Choco, hier soir, je me suis sponsor. Merci encore Clara, c'était la donation de tout à l'heure, mais je crois qu'il y a eu un petit bug. Merci encore. Bon, Lexa, j'arrive. Ah, c'est vrai, faut pas crier à côté des hôpitaux. J'ai oublié, faut pas crier. Lexa... Non mais Lexa, c'est une blague, t'as trop passé le balai. Christine, vous... Pourquoi vous... C'est elle qui m'a proposé, je vous le promets. Vous profitez de la situation. Elle pourra te prendre plus vite, maman. Ah, j'avoue que c'est une bonne idée. Est-ce que moi aussi, si je fais le balai, si je passe le balai en attendant qu'il y a des personnes qui arrivent, est-ce que je vais pouvoir aussi donc recevoir le poste un peu plus rapidement? J'avoue que c'est une bonne idée, ça, Alexa. Juste, il faut que je retrouve mon... Oui. Mais on va déjà passer, essayer de voir une journée si vous avez les compétences pour devenir médecin. Parce que c'est pas si simple. Ah bon? Mais si vous voulez, de toute façon, je peux quand même rester faire le ménage ici dans tous les cas. D'accord, mais ça, je crois pas que ça va nous aider beaucoup. Ah bon? Bah si, c'est... Oui. Bah, dans les hôpitaux, faut toujours que ce soit bien propre. Hein. Donc bon, si c'est un petit peu propre, bah, il y aura peut-être plus de monde. Non? Ouais. Regardez, on est en train d'astiquer le sol. Hein. Y a vraiment personne ou quoi? Y a personne qui se foule la cheville de temps en temps? Oh, c'est juste les femmes de ménage, mais j'ai l'impression qu'elles font le boulot à moitié. Comment ça? Elles viennent le soir. Mais non, je vous parle pas de ça, je vous parle des patients, il y en a pas beaucoup, dis donc. Au pire, si vous voulez, je peux aller écraser des gens. Allô? Hein? Quoi? Quoi? Non, j'ai pas dit que j'allais écraser des gens pour avoir un job. Non, je crois que vous avez pas bien entendu, non. Je me suis dit, bah pourquoi pas, sinon, bah essayer de... Oh, mais il y a quelqu'un! Bonjour! Bonjour! Ouais! Bienvenue! Vous allez bien? Venez, suivez-moi. Mais on sait... Qu'est-ce que vous avez, monsieur, madame? Cancer. Quoi? Quoi? Oh, venez vite. C'est un cas urgent, venez vite. Bon, Lexa, moi je pense qu'on va le laisser... Venez, On va le laisser avec... on va laisser s'occuper. On va laisser s'occuper, dis donc. Juste... Hop. Bon, on attend, on patiente. Restez ici, bougez pas. Je reviens. Mais c'est hyper grave ce qu'il a, le monsieur. Mais... Alors là, Madame Choco, c'est un cas urgent. Donc vous allez venir avec moi, on va essayer de diversifier le patient. Enfin, je sais pas trop comment dire. Non, moi j'ai peur. J'ai peur parce que si j'y vais et qu'à la fin je fais quelque chose encore pire, je peux risquer sa vie, etc. Ah non, en fait, finalement, je pense que le médecin, c'est pas fait pour moi. Ah non. Dites pas ça, venez. C'est comme ça qu'on apprend les métiers, en essayant, venez. Non, mais et si vous ratez, c'est pas grave, vous apprendrez en ratant. Allez, venez. Non, mais je... D'accord, bon bah on y va, mais moi je sais pas une bonne idée. Soignez-vous. Bonjour. Tu fais pas de bêtises. Tu fais vraiment Lexa, pas de bêtises. Lexa, tu peux me passer ce kit de soins que j'avais donné au patient. Donc en gros, il faut... J'ai pas bien compris ce qu'il faut faire là. Il faut qu'on lui donne du soin pour qu'il se soigne. Oui, pour qu'il se soigne. Mais ça a pas... Vous venez de lui faire quoi là? Non, je viens de le taser.
pour que quoi pour qu'il fasse un électrochoc. Mais non, mais non, moi j'ai pas vu ça. Quoi? Vous avez vu quoi? J'ai vu que vous lui avez mis un coup. Bah oui, un coup de taser pour qu'il se donc qu'il faut se réveille. Faut lui donner du soin. Faut lui donner du soin. Tenez, prenez. Et il faut qu'il en prenne combien? Je pense que s'il en prend 5, ça pourrait être bien. 5 Je sais pas si ça peut 5 prendre, parce qu'un cancer, c'est très compliqué. 5 Oui, mais moi, je croyais qu'il s'était fait mal. Mais vous êtes sûr qu'il a bien... Enfin, moi, je pensais qu'il s'était juste fait mal à la jambe ou quoi. Mais là, c'est très grave. Non. Oui, c'est pour ça qu'on a les cas, les soins urgents, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, d'accord. Bah, Alexa, tu... Alexa, viens. Alexa, viens. Viens, Alexa. Non, laissez-la. Non, elle non. Va divertir. Non, divertir. Non, non. Si elle divertit. Non, non, non. Je sais très bien. Quand elle parle pas, généralement comme ça, elle risque de faire une bêtise. Oh non. Oh, je peux chanter une chanson. D'accord, oui, vas-y. Chante une chanson. Si par contre tu fais une mauvaise chanson, rentre directement à la maison. Hein. Pas des musiques maladroites. Non. Vas-y, chante. Tu vas pas mourir. Là, c'est Alexa. Va te soigner. Alexa, ira pas au paradis. Non, Alexa, Alexa, mais Madame Christine, arrêtez ça bah, immédiatement. Mais en train de dire, tu vas pas. Mais non, tu vas pas mourir, ça va pas. On dit passer une personne qui est à l'hôpital. Alexa, fais une musique. Il y a eu Clara et Gabin. Merci beaucoup pour vos donations. Si tu veux, tu peux faire une musique pour Clara et Gabin, mais pas pour le patient. Vous êtes ravagés, vous aussi. Non, là, ça va plus. Merci beaucoup. Vous êtes les meilleurs avec gros yeux. Et Alexa et toi, mais t'es trop choupi. Ça mérite même une trop mignonne émote. Attends, je vais essayer de trouver une... Voilà. Même moi, je vais chanter. Ah, merci. Madame, vous allez bien? Non, merci beaucoup. Vas-y, chante, Alexa. On t'écoute. Para, merci pour le don. N'oublie pas de mettre le code Choco. Allez s'abonner à la chaîne. Et aussi de mettre le pouce bleu. Je te fais... un gros bisou. Ouais, place d'applaudissement. C'est le geste qui compte, comme on dit. C'est le geste qui compte. C'est bien, c'est bien. Ah bon. Non, mais c'est méchant, moi je chante bien. Oui, j'ai pas dit le contraire, Alexa. J'ai... Bah, grâce à toi, eh ben, on a les 1600 pouces bleus. Merci aux personnes qui ont mis le pouce bleu. Et oui, tu chantes bien. Donc, vous êtes un homme ou une femme Monsieur, madame? Monsieur. Ah, un homme, d'accord. Vous avez encore très mal ou pas? Oui. Vous avez encore très mal? Bah, prenez le kit que vous avez entre les mains. Bah, ouais, là, faudrait peut-être le soigner un peu plus. Vous avez pas un bazooka ou je sais pas? Patientez ici s'il y aurait d'autres clients. D'accord, enfin, donc, clients. Moi, j'attends ici, d'accord. L'Excel reste avec vous? Oui. Bon, bah, ok, hein. Bon, bah, je suis là, je patiente. Qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire? Ah, j'ai eu peur. Je croyais qu'ils étaient en train de le piocher, mais non. Ils sont en train de le soigner. J'ai eu peur. Bon, bah, en attendant, bah, mettez tous un pouce bleu. J'attends qu'il y ait des patients qui arrivent. Allez. Est-ce que vous me voyez bien, médecin, en vrai? Je sais pas trop. Attendre qu'il y ait des patients, etc. Je sais pas trop, en vrai, je sais pas trop. Choco, j'ai vu Monsieur Pomme. Voilà, comment? Il y a certains qui ont vu Monsieur Pomme. Je sais pas si c'est vrai, mais ça me fait peur. Si c'est vrai, ça me fait extrêmement peur. Je vais voir ce qu'ils font. C'est bon? Vous... Oh, il est en train de soigner. Il y a toujours personne. Hein. J'essaie de voir, mais je vois pas beaucoup de monde. Oh, mais Alexa, qu'est-ce que tu viens? Mais t'es complètement ravagée. Tu viens de faire quoi là? Oups, j'ai pas fait exprès. Maman. Non, mais vous voyez? Non, Alexa, je vais te déposer à la maison en fait. Tu veux que je te dépose à la maison? Mais tu lui as fait encore plus mal. Non, mais donnez-lui vite un kit. Prenez vite un kit. Je suis vraiment désolée. Franchement, je suis désolée. Qu'est-ce que tu es en train... Alexa, mais qu'est-ce que tu lui fais? Mais Christine, pourquoi vous la laissez faire ça? Mais Alexa, arrête. Oh mon Dieu. Pousse-toi. Alexa, tu rentres à la maison. Mais elle est sérieuse? Je vais vous soigner moi, parce que Christine aussi, j'ai l'impression que c'est vous savez pas bien faire votre job. Ça va être offensante, mais là... Mais non. Regardez, passez-moi le bazooka, madame. Passez-le moi, je vais le prendre. Je vais le soigner vraiment plus vite, parce que là... Oh là là, allez. On soigne. Bah c'est bon, vous allez un peu mieux là, non?
Prenez ça avec vous. Je pense que dans tous les cas, là, ça sert plus à rien qu'il soit, qu'il reste à l'hôpital. Ou bien on le laisse quand même ici. Généralement, vous faites quoi, Christine? Bah moi, j'attends que les patients essayent de guérir et je leur mets un maximum de bazooka à bandage dans leur face. Mais là, là, ah en fait, ça soigne pas comme ça, un cancer. D'habitude, j'ai jamais affaire à ces cas spéciaux. C'est quoi c'est... Lex, non, 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 Lex, Lexa, non, 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 si tu me tires dessus, non, 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 Lexa, pose ça, Lexa, pose, Lexa, tu poses ça, Lexa, tu poses ça. C'est pas un pistolet, non, c'est pas un pistolet, pardon, mais décalez-vous, c'est pas un pistolet là-haut, c'est pas, c'est quoi toutes ces armes, Lexa, c'est quoi toutes ces armes, Lexa, Lexa, tu déposes, Lexa, t'inquiète pas, oui, oui, ça, c'est un pistolet, oui, oui, c'est un pistolet là-haut, passe-les-moi les pistolets là-haut, passe-les-moi, je t'offre une surprise, je t'offre des bonbons, passe-les-moi, t'as d'autres pistolets là-haut, Lexa? Non. Tu les as tous. Tu les... D'accord, tu les... T'as trouvé ça où? T'as trouvé ça où? À dehors. Où ça, dehors? Mais monsieur... Oh mon dieu. Il y a monsieur... Ah c'est, la... c'est monsieur... Mais c'est vous qui avez déposé des armes. Non, je me suis juste cassé la jambe. Mon dieu, mais je vais pas garder ça ici. Non, mais... non, mais c'est monsieur Pomme qui m'a donné, il a dit que c'était un pistolet à eau. Mon dieu. Mais Christine, je mets ça où? Je mets les armes où, moi? Je vais pas garder les armes ici. Passez-les, moi, je vais les garder. Faites attention. Faut les rendre à la police. Pas. Mais c'est vous qui avez déposé les armes devant et que ma fille les a prises. Pourquoi ma fille aurait inventé de telles choses? Pourquoi aurait-elle inventé de telles choses? C'est lui! Mon dieu, bon. Vous avez quoi, monsieur Pomme? Bon, moi, j'ai pas envie de vous soigner. Vous êtes un. J'ai mal à la jambe. J'ai eu un accident de voiture devant l'hôpital. Non, Lexa, arrête de piocher. Non, 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 non. Lexa, mais. Pff, elle me fatigue, cette fille. Venez, suivez-moi, monsieur Pomme. On va vous soigner. Est-ce que je peux m'en occuper? Est-ce que je peux m'en charger, du coup? Oui, vu que là, j'ai l'impression. Je pense que je suis bien. Alors, monsieur Pomme. Maintenant que nous sommes que vous et moi. À votre avis, vous pensez vraiment que je vais vous soigner, monsieur? Oh, mais s'il vous plaît, j'ai mon compote là, je suis pas mal. Vous pensez vraiment que je vais vous soigner? Bien sûr que je vais vous soigner, malgré que vous, ce que vous avez fait, il faut quand même toujours rester gentil. Alors, vous avez mal où? Faut que vous me dites où vous avez mal là. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais oh là là, j'ai pas envie de savoir. Je vais m'occuper de vous, hein. Je vais m'occuper de vous. Alors, dites-moi ce que vous avez. Regardez ma jambe, je la tiens, là, j'ai super mal. Vous avez mal à la jambe droite, gauche, tibia? À la jambe gauche. À la jambe gauche, ok, donc pour vous, il me semble que ça va être des soins à prendre. Donc je vais essayer de vous récupérer ça, vous restez ici sagement, d'accord? Ne faites pas de bêtises. Oui. Restez là, je me dépêche, d'accord? Alors, je vais me dépêcher de récupérer. Alors après, je pense des kits de soins pour Monsieur Pomme et aussi du bandage. Alors... Vous avez besoin de quoi d'autre? D'un kit de soins. D'accord, mais pourquoi je vous donnerai un kit de soins? S'il vous plaît. Oui, je vous le donne tout de suite. C'était juste pour voir si vous êtes gentil. Allez, prenez-le. Prenez-le. Merci. Allez, mettez-le. Merci. J'espère que vous ne mentez pas tout simplement pour avoir des médicaments de côté et pour les revendre, hein? Non. Regardez, je prends deux vêtements comme ça, je peux pas les vendre. D'accord. Et vous avez toujours mal? Ça va un peu mieux, mais ça fait encore un peu mal. D'accord, bah prenez un deuxième, je vous en donne un deuxième. Oh, pardon, j'ai... Désolé. J'ai pas fait exprès. Ou peut-être que oui, c'est... Oui, pas grave. Le soigne pas. Ouais, mais il faut quand même que je le soigne. Même si je l'aime pas, je vous déteste, monsieur Pomme. Mais je dois quand même vous soigner parce que sinon, bah, je vais pas avoir le métier. Et puis même si c'est un criminel, faut quand même le soigner, c'est pas une raison. Bon, maintenant, vous avez encore mal? Ça va beaucoup mieux. Vous avez encore besoin de soins? Ça va beaucoup mieux. Ça, mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ce qu'il y a sur votre dos? C'est quoi ce qu'il y a sur votre dos? Ok, non, c'est bon. Ça. Non, c'est bon, j'appelle la police. J'appelle la police. Mais non. Vous avez des billets sur votre dos? Non, vous revenez par là, monsieur Pomme. C'est quoi les billets derrière? C'est quoi les billets? J'ai joué sur deux, trois petites courses. Deux, trois petites courses, vous êtes sûr? Retournez-vous. Oui, regardez. J'ai pas l'impression que ce soit que deux, trois petites courses, là. J'ai l'impression que ce soit bien plus que des petites courses. C'est pas moi.
Non mais, monsieur Pomme, vous allez où? Monsieur Pomme, mais... Revenez pas... Eh, hey, en plus, faut payer, oh! Oh, oh! Mais il s'enfuit! C'est une... Mais vous faites quoi, là? Non, non, mais vous revenez par là, j'ai dit, je vais appeler la police. Non, ne partez pas, monsieur Pomme. Dans tous les cas, je prends votre voiture s'il faut. Monsieur Pomme, non. Regardez, venez là, il y a... C'est pas de l'argent propre. Il y a un blessé ou ça? Regardez là. Où ça, il y a un blessé? Non, 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 non. Eh, vous comptez aller où, là, eh, oh? Je suis dans votre voiture, vous allez pas aller bien loin, monsieur Pomme. Vous pouvez aller là où vous voulez. Non, ça va pas être possible. J'ai dit non. Non. Je vais faire mes courses. Non. Non, 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 vous restez... Vous pouvez retirer la radio, là, on n'est pas une boîte de nuit. Eh oh. Vous descendez? Mais non, j'aime bien, moi j'aime bien mon volant. Vous descendez? Mais... Oh, ah, oh mon dieu! Oh mon dieu! Mais ça va pas cette arme? Oh, il est parti! Mais il est parti! Mais pourquoi vous avez des armes comme ça, Christine? Passez-moi les armes, dépêchez-vous, Christine! Passez-moi les armes! C'est quoi ça? Vous avez des armes comme ça? Jamais on met les armes comme ça? Allez plutôt vous occuper des blessés, mais ça va pas! Je vais me dépêcher moi d'aller juste. Je vais me dépêcher, d'aller juste déposer les armes à la police, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça va pas. Ah, c'est ouvert. Bon, je vais déposer ici, comme si de rien n'était. Mais il est sérieux, monsieur Pomme? Il est complètement ravagé. Mais il va pas bien du tout, il va vraiment pas bien. Il s'est enfui, on l'a soigné, il s'est enfui, il se moque du monde. La vérité. Il s'est abusé. Si, en tout cas, j'espère qu'il va se refaire mal, comme ça il sera obligé de revenir par là et il va comprendre. Lexa, Loulou, alors qu'est-ce qui se passe ici? T'es arrivé à soigner des personnes? Il a vraiment mal? Christine, elle m'a grondé parce qu'apparemment je faisais n'importe quoi alors que j'ai juste pris le client et j'ai voulu le mettre avec toi. Non, mais oui, mais j'ai vu ce que t'as fait, mais ça va pas, Lexa. J'ai vu ce que t'as fait, t'as pris le client. Mais non, c'est même pas un client, c'est un patient. On appelle ça un patient, les personnes qui vont pas bien. Madame Christine? Oui? Non mais vous lui avez expliqué que c'était pas bien de faire ça. Bah oui, c'est pour ça que je l'ai engueulé d'ailleurs. Mais c'est très grave par contre, c'est vraiment très 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 grave. Lexa, plus jamais tu te fais ça, tu promets? Tu jures? Oui. Promis, j'aurais craché? Jure? Promis, j'aurais craché. Ok, bon, ça va un peu mieux là, Sam. Oui, t'as bien essayé, non mais me crache pas dessus non plus. Bon, vous allez bien, maman? Monsieur? Oui, quoi, Alexa, encore? Écoute le paragraphe que j'ai fait quand quelqu'un va arriver. Vas-y. Bienvenue à l'hôpital des fées soignantes. Je suis la fée Alexa et je vais m'occuper de vous. Ça va? Oh, c'est trop mignon. Madame Christine, vous pouvez pas dire que c'est pas trop mignon. C'est trop choupi. C'est mignon, Alexa. Et après, tu dis quoi? La suite, c'est quoi? Après, il faut dire qu'est-ce qu'il a, le patient. Faut demander ce qu'il a le patient et quoi d'autre? Bah après on le soigne. Eh oui, et on fait pas quoi? Faut pas faire quoi? Faut pas le tuer. Bah non mais ça c'est pas évident, Lexao. Faut pas lui donner trop de médicaments ou pas assez, il faut vraiment faire attention. C'est pour ça qu'en fait toi, ce serait cool que tu sois juste à l'accueil et que ce soit Madame Christine qui s'occupe du reste. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Oui. D'accord, bon bah c'est parfait. Alors, je vais continuer à m'occuper de vous. Vous avez besoin d'autre chose, etc. Vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Non, ça va. Vous êtes sûre? Oui. Si vous avez besoin, je le répète, n'hésitez pas, parce que vous n'attendez pas que ce soit pire et que ça se dégrade, que votre santé se dégrade. Est-ce que vous avez encore des soins, s'il vous plaît, Christine, pour que je puisse... Oui, j'ai un kit de soins. Allez, voilà. Ok. Tenez, je vais vous le passer. Prenez-le, franchement, si vous en avez besoin, mettez-le. Surtout si vous allez de moins en moins bien. Elle est passée où, ma fille, encore? Elle est passée où? Lexa? D'accord, ok, elle est là. Maman, je suis à l'accueil. Vas-y. Hé, madame Christine, j'ai une idée. Venez.
J'ai une trop bonne idée. Oui. En gros, j'ai une idée. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire croire à Alexa que je suis une patiente et que je vais pas bien. Et en gros, je vais me changer, etc. Je vais lui faire croire vraiment que je suis pas bien. Alors qu'en réalité, je vais bien. Tout simplement pour voir comment elle réagirait si un patient venait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je... Qu'est-ce que vous faites? Oui. D'accord, mais vous allez bien? Oui. Pourquoi vous sautez comme ça? C'est bizarre. Ok, attendez, madame Christine. Donc, on va faire le plan, mais il faut que vous vous cachiez vous aussi, vous fassiez croire que vous la laissiez seule à l'hôpital pour voir ce qu'elle va faire. Trop bonne idée. Je vais me mettre dans une chambre, je vais me cacher dans une chambre. D'accord. Sous okay. un lit. Alexa, on va te laisser ici, je dois sortir avec Christine. Oh, je dois sortir avec Christine, maman. Il y a quelqu'un qui a envoyé 5 euros. Meyota, merci beaucoup. Oui. Une émote. J'ai envie que tu mettes le code Choco dans la boutique oh là. De Fortnite. Oh là là. Pour nous soutenir et tu oh vas t'abonner. Oh là là, ouais, oui. Abonne-toi à la chaîne secondaire. D'accord, maman, oui. Maman, tu vas chercher Burger King? Quoi? Non, oui, je vais chercher Burger King. J'arrive pas à t'ajouter, Joanne, merci beaucoup pour ton soutien, mais j'arrive pas à t'ajouter. Reste ici seule, d'accord? Il y a madame Christine aussi qui est partie, on doit aller faire quelque chose dehors. On revient très vite. Ok. Ah, je suis morte. Alors, je vous réexplique le plan pour les personnes qui n'ont pas compris ce qui est en train de se passer. Là, j'essaie de devenir médecin. Et Lexa aussi, sauf que Lexa, je ne lui fais pas confiance. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me changer et je vais faire croire que je suis un patient qui a mal, que j'ai vraiment mal à au bras ou quelque chose comme ça, pour voir comment elle me traite si personne n'est présent. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, attendez, faut que je me mette en homme, en garçon. Je sais pas, je me mets en qui. Est-ce que vous avez un nom de skin que vous voulez que je teste pour voir s'il y a? Et puis s'il y a, je le mets. Mettez des prénoms de skin, des noms de skin. Mais c'est une trop bonne idée. Comme ça, si elle me traite bien, c'est parfait. Si elle me traite mal, ça va barder pour elle. Ça va vraiment barder. Alors, vous voulez que je mette quoi? Vous voulez que je mette quoi, les abos? Moi, je mets ce que vous me conseillez de mettre. Hop. Vous voulez que je mette quoi? Clovis. Clovis, la saucisse? Vous voulez quand même pas que je mette Knack? Vous voulez quand même pas que je mette l'huile? Ruby, Yanis. Le retour de Yaya. Yaya de la street. Julie. Thor, Midas. Ruby, Lara Croft, Midas. Je crois pas que j'ai Midas. Au pire, je peux mettre ce skin-là. Ce skin-là, c'est vrai qu'il est drôle. C'est vrai qu'il est fun. Vous voulez que je mette celui-ci? Dites-moi oui si vous voulez, dites-moi non si vous ne voulez pas. Mais c'est vrai que ça pourrait être rigolo de mettre celui-ci. Je sais pas trop. On le met? Non. Tout le monde dit non. Tout le monde est en train de dire non. J'ai envie. Je sais pas, allez, j'ai trop envie, s'il vous plaît, dites oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Meyota, pour tes 5 euros encore. Choco, tu peux m'ajouter un ami? Mais je sais pas, quand j'essaie de t'ajouter, Joanne, j'arrive pas. Je pense que c'est parce que dans tes réglages, je t'accepte pas les demandes d'amis. Et merci beaucoup, Clara, pour tes 20 euros. Je sais pas pourquoi, mais le prank va être trop drôle. Oh, mais merci beaucoup pour toutes vos donations. Mais vous êtes trop généreux, c'est trop sympa. Je vais dire à Alexa de vous faire une chanson. Enfin, je vais pas lui lire le message, le message de la donation, sinon elle va comprendre qu'il se passe quelque chose. Mais comme ça, elle vous fait une petite musique spécialement pour Meyota et Clara. Merci encore. Donc, je vais avec lui, c'est bon. Même s'il y en a plein qui disent non, je vais mettre ça. Il faut juste que j'enlève le sac à dos, sinon elle va me cramer. Mais je vais mettre ça. Je vais l'enlever et c'est bon. Oh, salut, moi, c'est Clovis. Je vais parler un petit peu comme ça. Oh, Monsieur Pomme. Ouais, Monsieur Pomme. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Bienvenue, salut. Bah, c'est toi, tu es moi. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, dis donc. Quoi? Même si que mes potes. Quoi? Quoi? Je vois pas du tout de qui vous voulez parler. Oh, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais...
Tu peux quand même te souvenir un peu de moi. Oui, je me souviens de toi. Comment t'oublier? Oui, très bien. Tu veux faire un braquage de banque avec moi? Un braquage de banque? À la prochaine. À la prochaine. Je me suis fait vraiment mal. À la prochaine, monsieur Pomme. Ouais, à la prochaine. Oh, mon dieu. Eh, je sais pas si. C'est monsieur Pomme. Mais il pensait que j'étais son pote. Alors que pas du tout. Allez, maintenant, faut que je fasse croire, Alexa, que je vais pas bien. Genre, je me suis fait mal. Pour voir sa réaction. Je répète le prank. Je vais faire croire que là, je vais vraiment pas bien. Pour voir sa réaction, en gros. Je vais faire aïe, je suis pas. Enfin, faut pas que je prenne la voix de monsieur Pomme, ça va avoir peur. Mais il faut que je fasse croire que j'ai mal pour voir comment elle va réagir. Vous avez capté, ok, c'est parti. Aïe, j'ai mal. Au secours, s'il vous plaît. Bonjour. Au secours, j'ai vraiment mal. Au secours. Je suis la petite fée Alexa. Et bienvenue. Attendez, je recommence. Mais j'ai mal! Bienvenue à l'hôpital des fées soignantes. Mais j'ai mal! Je vais m'occuper de vous. Merci de me suivre. Mais j'ai. Le code Choco. Mais j'ai mal! Vous allez mourir. Mais quoi? Et mais. Ma maman va vous enterrer. Mais quoi? Mais j'ai extrêmement mal. Vous voulez pas m'aider au lieu de me parler de code Choco et de ce gros yeux? Venez me suivre. Je vous suis! J'ai mal. Vite, s'il vous plaît, soignez-moi. Mettez-vous l'âme. Oui. Monsieur. Monsieur Clovis, s'il vous plaît, j'ai vraiment mal. Je dois faire quoi? Vous devez prendre 5 médicaments comme ça. 5? Mais c'est beaucoup trop. Bah, mais qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Mais je suis une experte. Mais vous avez quel âge? Non, 20, je veux dire, il en faut 20. 20? Mais c'est trop, c'est beaucoup trop. Mais c'est beau. Mais si, il en faut 20. 20, oh, ok, c'est bon, j'ai pris les 20. Vous connaissez, vous êtes venu là. Oh, mais pourquoi vous... J'aimerais parler à votre supérieur. Pourquoi vous me criez si j'ai mal? J'ai pas de supérieur. Pourquoi vous haussez le ton? J'ai vraiment mal, vous voulez pas me soigner? J'ai mal. Au lieu de me soigner, on me crie dessus. C'est quoi cet hôpital? Moi, je suis supérieure à tout le monde, même à toi. Vous êtes complètement ravagée. S'il vous plaît, vous pouvez pas me soigner? Comment ça chute? Vous parlez pas, monsieur. Ah bon? Vous êtes bizarre. Allez, prends tes médicaments. Non. Ma voix te dit pas quelque chose, Lexa? Ma voix te dit pas quelque chose, Lexa? Tu te moques de moi. Tu m'expliques ce que t'es en train de faire, là? Tu perds à tout le monde. Mais non, mais là, c'est... Christine, vous avez entendu ce qu'elle a fait? Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a fait? J'aimerais savoir si vous avez entendu ce qu'elle a fait. Donc, en gros, elle a dit qu'elle était supérieure à tout le monde, que... Lexa, par contre, là, tu as abusé, vraiment. Il fallait 20 kits de soins et qu'elle sait ce qu'elle faisait alors qu'elle n'en a aucune idée. Là, je suis quand même venue en criant. Je suis venue en criant, en disant « Ah, j'ai mal ». Elle est en train de lire un script. Tu nous expliques, Lexa? Non, mais il faut que tu présentes tes excuses à monsieur Clovis. C'est-à-dire à moi. Lexa, tu fais plus jamais ça, hein? Si, je le ferai. Bon, bah on va rentrer à la maison, je pense, alors. Ça suffit. Non, mais t'es ravagée. Hey, je t'ai laissé... On t'a laissé même pas 5 minutes. On t'a fait un prank. Et t'as vu ta réaction. Merci beaucoup, Clara, d'ailleurs. Et Mayota, qui ont envoyé 5€ encore. Je veux voir plein de GG. Et ça mérite... Est-ce que ça mériterait pas une musique, là? Est-ce que ça mériterait pas une... Par contre, tu fais une bonne musique. C'est pas une mauvaise musique que tu nous fais. Hein. Ok. Une bonne musique. Déjà pour Clara et après pour les autres. Ok, vas-y. Pour Clara. Merci Clara pour ces 20€. Ça fait beaucoup là, non? Wanda Wanda, hihi pour toi. Et tout va bien. Oui, waouh. Oui, oui, Lexa, oui. Ouais, on va dire que ta musique était bien. On va faire comme si que ta musique était bien, d'accord? Ouais, ta musique est trop bien, Alexa. Alexa? Maintenant pour l'autre personne. C'était pour... Mayota, merci pour ces 5€. Merci. Ah! Les gens
arrête, arrête de chanter, Alexa, arrête. C'est gentil, en vrai, t'es trop mignonne. En vrai, t'es trop choupie. Bah, si tu veux l'ajouter, je t'enverrai son pseudo, ok? C'est Joanne tire du bas 135 City. J'avoue, je pense qu'elle sera plutôt contente. C'est quoi ton pseudo? C'est, bah, je viens de te le dire, c'est Meyota. Ah non, c'est Joanne tiré du bas 135 City. Je te le donne après si tu veux, Lexa, si tu voudras l'ajouter. Il y a pas d'autres patients là? Non, non, mais là à un moment donné, faut arrêter. Là à un moment donné, il y a un moment donné, je vous vois depuis tout à l'heure, j'ose pas, mais là c'est bon là. Revenez par là. Non mais monsieur, pas, mais j'ai pas vous lâcher. Ouais, vous pensez vraiment que c'est votre copain? Non, non mais arrêtez d'essayer de vous en. Non mais c'est pas possible. Il m'énerve. Bon, je vais me changer, j'arrive à Christine. Gardez ma fille s'il vous plaît. Je vous le promets, je vais le prendre un jour, monsieur Pomme. Il va aller mal, il va aller mal. Je vous le dis, il va aller très mal. Je vais me changer, je vais me remettre en tant qu'opaline, là. Alors. Je me mets en tant qu'opaline, quoi? En tant qu'opaline version rose ou rouge? Je mets le 1, bien le 2. 1 ou 2? 1 ou 2? Je pense que le 1, il est gentil. Je sais pas si je mets le 1 ou le 2. Mm-hmm. Vous me conseillez de mettre lequel, du coup? Le 2. Le rouge? Vous voulez que je mette le rouge? Vous voulez que je sois énervée, en fait? C'est ça que vous voulez? Ok, bah je vais mettre le rouge, alors. Je sauvegarde et je quitte. Et voilà! Allez, moi, je vais m'occuper des... Non, mais Monsieur Pomme! Il m'énerve, je comprends pas, la police, elle fait pas son métier, elle fait pas son job. Ça fait 3 ans, il est censé être en prison, lui, il est toujours pas. C'est pas possible. Je vais essayer de voir s'ils vont bien, là, les patients. S'ils vont bien, les petits patients. Prenez 20 médicaments. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais vous le soignez ou vous? Mais c'est un peu trop de médicaments, là, non? Non, justement, c'est pas du tout assez. Faut pas être... Non, mais vous êtes sûre? Vous êtes vraiment sûre de ce que vous faites, là, que c'est une bonne idée? Ah, moi, je suis une experte. Laisse-moi. Madame Christine, vous êtes sûre que là, c'est une bonne idée de faire ça? Christine? J'espère que vous laissez pas Alexa faire tout ça alors que c'est pas une bonne idée, Christine. Hein? Christine? Non, je ne laisse pas faire ça pour rien, vous inquiétez pas, c'est pour soigner que je le fais. Mais j'ai l'impression qu'il va de moins en moins bien. Attendez, monsieur, est-ce que vous allez bien? Il revomit des choses ou quoi? J'ai toujours mal. Il a toujours mal, faut prendre le bazooka à partir de ce moment-là. Hein. Prenez le bazooka, il est où le bazooka? C'est Alexa qui l'a. Je sais pas, ça... Tenez, pourquoi ça le soigne toujours pas? Ça le soigne toujours pas, j'ai l'impression. Ah si, tu vas... Tiens. Mais quoi? Vous êtes sûre, ça le soigne? Mais pourquoi il est... Oui, je suis certaine. Passe-moi le bazooka, Alexa. Passe-moi le bazooka. Passe-moi. Ok, je vais faire ça. Hop. Bah, vous êtes bien, mais lui... Lui, il va pas très très bien. Mais je crois qu'il y a un peu trop de bandages là, non? Mais c'est quoi ce message? Maman, stop, il y en a trop! Il va mourir! Bah, c'est vous depuis tout à l'heure qui vous êtes en train de faire ça, donc je mets plein de bandages moi aussi! Si, madame Choco, il y en a beaucoup trop, il va s'intoxiquer! Il faudra pas qu'il prenne tout ça! Aïe! Non! Bah. Stop! J'en mets encore! Je veux remplir le. J'ai envie de remplir le bâtiment, tiens, de bandages. Comme ça, on en aura assez pour tout le monde. Vous avez capté ou vous avez pas capté? Genre, je mets un... Hey! T'es ravagé, laisse-moi tranquille. Laisse-moi, t'inquiète, je sais ce que je fais, Alexia, t'inquiète, je sais ce que je fais. Je vais remplir le bâtiment, comme ça, s'il y a besoin, et ben, il y aura assez de bandages. T'as compris? Maman, tu fais n'importe quoi! Arrête, il va mourir le patient! Mais pourquoi? Mais arrête, ils sont passés où d'ailleurs? Mais ils sont passés où? Pardon! Mais ben, hein. Il en avait marre, c'est bon, il est mort à cause de toi, maman! Mais arrête de dire des bêtises, Lexa, arrête de dire des bêtises! Où vous l'avez mis? Mais il est passé où? Ah, mais monsieur, vous voulez pas de bandage? Monsieur! Non,
Mais pourquoi tu me cries dessus, Lexa? Mais j'ai rien fait. Mais tu vas... Non, mais il va mourir, là. Mais il va pas mourir, tu vois pas qu'il va plutôt bien? Maman! Ok, ok, bon, je pense que... Je pense qu'on va rentrer à la maison, parce que là, ça va pas du tout... Il se soigne, non? Moi, je préfère aller à la maison, parce que là... Parce que là, quoi? Tu fais n'importe quoi, maman. Mais c'est toi qui es en train de me dire quoi faire. Oublie pas que je t'ai vu tout à l'heure en train de faire quoi, hein? Je me suis fait passer pour un patient... Alors que le patient était clairement pas bien, t'es en train de lui raconter ta vie en mode « Bonjour, je suis la fée Clochette, la fée qui va te sauver. » Donc non, je te permets pas de dire quoi que ce soit sur mes compétences. Maman, je suis supérieure à toi, c'est... Mais quoi ? Allez, on va rentrer à la maison immédiatement, Alexa, tu vas te punir. Là, tu viens de dire quoi ? Décalez-vous, s'il vous plaît, Christine. Tu rentres. Allez, on rentre. Allez. C'est quoi ça? Mais non, mais c'est Christine qui me l'a dit. Allez, tu sors, on va rentrer à la maison, mais elle est ravagée. Je vais pas sortir, tu m'as bloqué, maman. Non, sors. Qu'est-ce que vous avez, monsieur Pomme? Encore. Vous allez pas... Arrête! Lexa, tu arrêtes. Lexa, tu viens, tu me suis, dépêche-toi. Monsieur Pomme, vous allez pas bien encore? Vous avez quoi? Ça vous dérange pas que j'emprunte votre voiture juste 2 minutes? Je vais vraiment vous la rendre, c'est juste pour déposer l'excès à la maison. Ok. On arrive. Non, conduis pas, sors de la voiture. J'ai conduit. Si je veux conduire. Non. Sors. L'excès. Voilà, bien fait pour toi. Aïe, je me suis fait mal, maman. Bah voilà, allez, on rentre dans la voiture. Bah, on va aller à l'hôpital. Rentre dans la voiture. Je vais pas dans la voiture. Mais tu veux qu'on te soigne ou pas? Burger King. Bon, bah, vous savez quoi? Moi, je vais la laisser faire ses affaires. J'ai demandé à Christine, vu que c'est sa babysitter, l'heure de la garder. Moi, je vais à l'hôpital. Je vais la laisser, hein. C'est bon, elle m'énerve. Mais non! C'est plus mon souci maintenant. Tu te débrouilles! Alors, moi, je vais me soigner. Je vais m'occuper de monsieur Pomme. Monsieur Pomme, vous allez pas bien? Qu'est-ce qui vous arrive encore? Oh, je me sens vraiment très mal après avoir mangé un truc. Vous avez mangé quoi? Faut me le dire. Dites-moi ce que vous avez consommé, c'est pas grave. Un truc. Faut le dire, si vous le dites pas, je vais pas pouvoir vous aider. Mais qu'est-ce que... C'est quoi ça? Et vous voulez que je vous aide, c'est ça, si j'ai bien compris? J'en ai pris un peu trop, j'ai trop mal. Un peu trop? Vous pensez que vous en avez pris un peu trop? Un peu trop, vraiment. Vraiment, vous pensez? Désolé, mais là, monsieur Pomme, on peut pas vous aider. Hein. Alors là. Mais aussi, vous continuez, mais non, mais c'est bon, moi j'en peux plus. Madame Christine, c'est un métier dur, hein. C'est vraiment un métier dur. Oui, tellement. On va vous soigner quand même parce qu'on est obligé. C'était pas si simple. Bon, on va aller rentrer, on va quand même vous soigner. C'est pas possible, j'arrive pas à rentrer. Ok. T'as de la maison. Non, mais reprenez ça ou vous allez sortir de l'hôpital. Déjà, on veut bien vous soigner, alors commencez pas. Hein. Poussez bouchons trop loin. Alors, vous allez venir dans cette chambre-là parce que les autres chambres sont très sales. Allez, installez-vous. Donc, on va vous déposer du soin. Non, pas trop non plus. Normalement, vous avez quoi déjà? Vous avez un problème digestif, c'est ça? J'ai mal à la tête. Mal à la tête, ok. Mal de tête, etc. Vous prenez un kit de soins. Mais arrêtez aussi! Non, mais... C'est pas possible. Non, vous savez quoi? Vous allez vous débrouiller si ça continue. Vous prenez ce qu'on vous donne, vous installez sur le lit, on vous donne quelque chose et vous prenez. Voilà, prenez deux kits de soins et un bandage. Et normalement, ça devrait le faire. Si ça ne va toujours pas, si ça va toujours pas assez bien, et ben là, dans ce cas-là, on va devoir vous ramener dans un autre hôpital. Mais il faut que vous allez bien, là, donc j'espère pour vous que ça va bien se passer. Et que tout va bien se passer. Allez, prenez, dépêchez-vous. Allez vite, dépêchez-vous, monsieur Pomme. Je prends un prix, elle m'attend de... Un quatrième? Non, mais ne faites pas une overdose non plus. Oh, voilà. Là, c'est bon, ça va un peu mieux. Oui, ça va pas. Est-ce que, Christine, je dois lui mettre un peu plus de soins, là, avec le bazooka? Pour qu'il soit à 100, parce que là, je vois qu'il est pas bien. C'est 6 sur 10, non, vous allez me passer une meilleure note là, c'est quoi ça? Oui, une note encore plus de bazooka, encore plus. Bah non, c'est bon, là je pense qu'il y en a plus assez à mettre, enfin il y en a assez, j'en ai assez. Merci, je me sens super bien. Une note sur 20?
Attendez. Une note sur 20, monsieur Pam. 16 sur 20. 16 sur 20. Combien? Attendez. 16 sur 20. Par contre, attendez, maintenant que je dois rappeler quelqu'un, donc est-ce que je dois aller dans un coin de l'hôpital, appeler quelqu'un? Pourquoi vous voulez appeler quelqu'un? Pour aller où? Pourquoi faire? Mais quelqu'un, c'est privé. Donc c'est pour ça que je dois bien aller au fond de la salle. Je comprends rien à ce que vous êtes en train de dire. Vous voulez voir quelqu'un? Non, j'aimerais bien appeler quelqu'un. Et j'aimerais bien aller au fond de la salle, l'appeler. Bah, pourquoi vous voulez pas appeler ici? Je comprends pas. C'est quoi le souci? Parce que c'est un truc privé. Bah, vous pouvez très bien le dire ici, non? Non. Vous essayez de cacher quelque chose ou je rêve? Bah, non, c'est juste que ça vous regarde pas. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Oula, merci. Il est bizarre. Est-ce qu'on va regarder ce qu'il fait? Oui, venez. On va regarder ce qu'il fait. Trop bizarre. Parle à qui? Ouais. Allô? Ouais, j'ai déjà braqué la banque lundi, mais il y a encore de l'argent. Ah. Donc on va la braquer encore. Venez, Christine. Mon sac, il n'est pas assez rempli. Christine, dépêchez-vous. Vite. Venez. Mais on doit faire quoi quand il y a un criminel dans les lieux? Ah ben, on va appeler la police, hein. Non, je sais pas, j'en ai marre de ce monsieur Pomme. À chaque fois, on appelle la police, mais il faut rien. Oh non. Je comprends pas pourquoi la police l'arrête pas. Je sais pas. Non, mais je comprends vraiment pas. Y a pas d'autres patients, sinon je vais dire à monsieur Pomme. Monsieur Pomme, vous avez 3 secondes pour partir, on appelle la police. 3, 2, 1. Non, mais là, ça va plus. Mais il a rien compris, lui, en fait. Il faut vraiment qu'il arrête. Oh, il y a une... Bonjour. Il y a une dame. Excusez-moi. Bonjour. Vous avez une voix... Mais, Lexa? Non. Merci beaucoup, Isabelle, pour tes 2 euros. Je suis quoi? Ajoute-moi un ami. Mon pseudo, c'est... Ouais, attends, je vais t'ajouter un ami. C'est... Anne... Oh. Merci beaucoup pour ton soutien. Mais monsieur Pomme, reprenez-vous. Oh là 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 là, il m'énerve, lui. Alors, dites-moi ce que vous avez, excusez-moi. J'ai très mal à la jambe. Je me suis fait mordre par un requin. Quoi? Il y a des requins maintenant? Oui, à la plage. Oh non, bah suivez-moi, faut qu'on se dépêche, ça c'est un... J'arrive plus à marcher, madame. Dépêchez-vous, rentrez. Vous arrivez pas bien à marcher, sinon je vous passe votre soin ici, mais c'est mieux que vous installiez. Faites pas trop attention à tous les bandages qu'il y a. Votre voix me dit quelque chose. Ok, installez-vous ici. Installez-vous juste ici. Je vais vous passer du soin, il va falloir le prendre, d'accord? Normalement, pour les morsures de requin, il me semble que c'est trois kits de soins. Allez, prenez les 3 kits. Allez, prenez. Oui, je les ai pris. Ok. Et... Bah non, vous les avez pas pris. Mais votre voix me dit vraiment quelque chose. Non, mais qu'est-ce que vous racontez? Des gens dans le jeu qui sont en train de dire c'est Lexa. Lexa? Mais qu'est-ce que vous racontez? Je m'appelle Juliette, madame. D'accord. Combien font 5 x 5? Combien font 5 x 5? 22. Ok, c'est Lexa. Lexa, tu te moques de moi? Mais non, mais ça se fait pas! Maman! Non, mais c'est une blague. Non, mais tu vas pas passer. Tu m'expliques pourquoi t'as fait ça? Mais bien, c'est bien sûr que c'est Lexa. Oui, bah tu me laisses toute seule. Non, mais pourquoi tu fais des vieux pranks? En plus, c'est même pas pour faire une expérience sociale ou quoi. C'est un peu pour voir si moi je fais vraiment mon job. Toi, c'est juste comme ça, pour le plaisir, tu te fais passer pour quelqu'un. Ça va pas? Bah oui. Bah non, faut pas faire ça, Lexa. T'es ravagée, t'es vraiment ravagée. Y a pas à faire ça, écrivez-lui, y a pas à faire ça dans le chat. Lexa, combien font 5 x 5 du coup? Ben 22. Oh non, ça fait 25, Lexa. C'est pour ça que j'ai su que c'était toi. C'est que déjà ta voix, elle est bizarre. Genre, j'ai cramé un petit peu que c'était toi. Mais là, c'est encore pire que ce que je pensais. Donc tu arrêtes de faire ça, t'as compris? Mais non, mais maman, ça se fait pas. Moi, je voulais rigoler avec toi. Oui, mais il y a rigoler et rigoler. Là, c'est pas drôle. C'est juste, tu me fais perdre du temps. T'imagines, il y a eu d'autres patients qui seraient venus. T'imagines, il n'y a pas à faire ça. Il n'y a pas à faire ça. Tout le monde te le dit dans le chat. Non, mais c'est bon, faut pas pleurer non plus, Lexa. Lexa, ne pleure pas, loulou. C'est pas grave.
Ok. C'est pas grave. Tu te rends compte quand même que c'est pas bien de faire ça. Oui. Bon, au moins t'as pris conscience, ça va. Monsieur, vous allez mieux, vous? Monsieur? Oui, je vais mieux. Bah, si vous allez mieux, alors vous pouvez partir de l'hôpital, non? Christiane, c'est ça qu'il faut faire lorsque quelqu'un va mieux. Et c'est bon, il peut... Bah, je sais pas. Je pense que c'est bon s'il peut partir. Bah, je pense que oui. Normalement, il va mieux. Je l'ai soigné beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois avec beaucoup de médicaments. Mais vous avez besoin qu'on vous ramène quelque part? Non, c'est bon. D'accord. Bah, si vous avez besoin, en tout cas, n'hésitez pas. Et on a quand même réussi à faire en sorte que quelqu'un aille mieux. Ça fait plaisir, non? Oui, ça, très. Ça mérite même limite voir une émote, non? Poupou. Tchac. Bon. Là, on a juste encore à attendre un petit peu qu'il y ait d'autres personnes. Lexa, où es-tu? Elle est passée où? Oh non, me dites pas qu'on l'a perdue. Ouais, mais j'espère qu'on l'a perdue. Mais Lexa? Lexa, elle est où? Mais elle est passée où? Madame Christine, elle est passée où, Lexa? Je ne sais pas, je... Ah bah elle est là. Mais Lexa, tu m'as fait trop peur. T'étais passée où? T'étais passée ben, où? J'étais partie me changer. Oh, tu m'as fait trop peur. Me fais plus jamais ça. Faut me prévenir avant. Merci beaucoup, Clara. Clara, t'as dit, y a pas à faire ça, Lexa. Y a pas à faire ça. Merci beaucoup pour tes 10 euros, Clara, pardon. Ça mérite pas une émote, par hasard? Ça mérite pas non. Une... Si. Tu vas pas lui faire... Une chanson. Oh mon dieu, le retour de la chanson. Oh mon dieu. Ok, la chanson. La chanson, on écoute. J'ai peur. Ah, c'est moi, je suis Lexa. Hey, Clara, merci pour ton temps. Ouais, bravo, stop, stop, stop. Stop, 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 stop. Là, il s'est géré d'arrêter de chanter. Là. Oh non, mais. C'est... Y'a pas! Stop, stop! Arrête-toi, je pense que ça fait un petit peu mal aux oreilles. Honnêtement, je pense que tu nous as un petit peu froissé les oreilles, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, trop bien, bravo Alexa! Clap. Moi, je t'aime la The Voice Kids! Oui, The Voice Kids pour Alexa, oui. Pourquoi tu tousses, maman? Parce que moi aussi, je pense que j'ai besoin d'un petit kit de soin, quoi. Venez, madame, c'est gratuit. Tiens, maman. Mais non, c'est bon, ça va aller. Allez, bah, je pense qu'on va rentrer à la maison. Est-ce que, juste une question, est-ce que pour vous, on est pris aujourd'hui? C'est bon? On est pris? Oui, vous m'aidez beaucoup. Donc, merci à vous deux de m'avoir aidé aujourd'hui. Donc, on est pris? Oui. Pour de vrai? C'est-à-dire qu'on va pouvoir revenir? On va rentrer à la maison? Bah, oui. Ça veut dire qu'on va pouvoir revenir de temps en temps? Oui, de temps en temps. Ok, parfait. Bah, merci beaucoup. Au revoir. Mais attends, mais maman, elle a oublié de te donner de l'argent. Ah, j'avoue, vous ne devez pas me passer de l'argent. Ah oui. Alors. Ah, voilà. Parfait, merci beaucoup. Allez, Lexa. Mais moi aussi, j'ai travaillé, je veux avoir de l'argent. On peut pas payer des mineurs. Je te... Je te donnerai... J'ai pas d'argent pour toi, Alexa. Je te donne de l'argent à la maison. On va rentrer. Ok. Allez. Viens, on va rentrer à la maison. On va rentrer à la maison. Hop. Lexa, on va aller à Burger King en fait. Dépêche-toi. Non, Lexa, d'accord, on va aller à Burger King. Mais avance vite, Lexa, dépêche-toi. Vite, il y a des gens bizarres ici. Lexa. Viens vite, il y a des gens étranges. Mais Lexa, dépêche-toi. Maman, je vais voir Monsieur Pomme. Non, viens, dépêche-toi. Maman, il y a Monsieur Pomme. Mais c'est pour ça que je te dis qu'on se dépêche. Vite. Attends, viens, maman. Mais non, Lexa. On va pas aller voir Monsieur Pomme, il est flippant. Qu'est-ce que tu fais? Mais Lexa, viens par là. Oh mon Dieu. Mais elle est où? On rentre. Tu veux manger Burger King ou pas? Oui. Bah, on va manger Burger King. Mais arrête le suivre, Lexa. Non, je t'attache. Je dis non, on va pas aller le voir. Mais s'il te plaît. Non.
son... Non, Lexa, Lexa. Monsieur Pomme, j'ai cassé ta voiture. Arrête, on va se faire tirer dessus après. Pomme, j'ai cassé ta voiture. Ok, d'accord, j'ai aucune autorité. Bah, on va pas au Burger King, moi je rentre à la maison. On reste avec lui, tu vas te faire kidnapper, je viens pas te sauver. Hein. C'est décidé. Et je l'ai caché. C'est bon. Qu'elle se débrouille, hein. Je sais très bien qu'elle va me suivre dans tous les cas. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Ah bon, je vais aller au Burger King, du coup. Je vais traverser. Et puis, je vais commencer à prendre la commande de Lexa. Oh, merci beaucoup, Clara, pour tes 5 euros. Merci beaucoup. Lexa suit Choco. Elle va venir, de toute façon. Elle me fait croire qu'elle va faire des bêtises. Finalement, elle va pas le faire. Je la connais, c'est ma fille. En tout cas, merci beaucoup pour ton soutien. C'est mérité, même une émote. Et puis, pour la chanson de Lexa, je sais pas du coup si elle va pouvoir te faire une musique avant que le live va s'arrêter. Merci beaucoup pour ton soutien, en tout cas. C'est trop gentil. Mon émote, elle est trop mimi. Elle est trop choupie, la petite émote. Oignon. En tout cas, ça va être la fin du live. J'espère encore une fois que ce live vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. Et pour les personnes qui se demandent, il y aura une vidéo qui sort à 14h15, la vie de Choco. Donc, activez bien la petite cloche de notification. Lexa, tu veux faire une petite musique pour Clara? Oui! Vas-y, on t'écoute avant que le live s'arrête. On t'écoute. Attends, maman, je cherche... Vas-y. Mon cahier. Ton cahier, vas-y. On t'écoute. Oui, merci. C'est la fin de ce live. Merci. Allez, allez. Non, c'est bon. Je crois que c'était pas une bonne idée, merci finalement. Merci d'avoir liké. Allez, cliquez tous sur le lien que je vois dans le chat. Ah, stop, mes oreilles. Bisous. Mon Dieu, Lexa, ta voix. Allez, la fin du stream, je connais venir à déconner.